Bouh! Hop là les petits potes, la nouvelle danse, merci d'avoir renforcé la sécurité de votre compte. Petite danse. Et franchement les gars, elle est pas mal. Et c'est hyper simple à faire. Super danse. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer comment avoir la nouvelle danse, c'est la Boogie Down. Donc pour ça, il faut faire l'authentification à deux facteurs, donc comment on fait. Donc normalement, si vous démarrez pour la première fois Fortnite, ça va vous proposer directement, mais si vous avez fait comme moi, vous avez Skype, tout simplement, je vais vous montrer la méthode, comment faire. Donc tout simplement, il faut vous rendre sur le site Fortnite, et là, il va falloir se connecter avec votre compte. Une fois que vous êtes connecté, donc vous allez rentrer votre mot de passe et votre email. Bref, vous allez sur votre compte et là, vous cliquez sur compte, tout simplement. Juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur mes petits réseaux sociaux, ils sont juste en dessous, Twitter, tout ça, tout ça. Je réponds à tout le monde, je mets quelques stories, donc ça ferait extrêmement plaisir. En ce qui concerne, du coup, vous allez aller donc arriver sur cette interface et vous allez dans mot de passe et sécurité, tout simplement. Et là, vous allez donc voir, bref, changer votre mot de passe. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste en dessous. C'est authentification à deux facteurs. Donc là, il y a deux méthodes. Soit avec téléphone, soit avec email. Je vais vous expliquer par téléphone, je pense. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être d'abord faire par email et peut-être par téléphone après. Parce que le téléphone, c'est assez compliqué. Et beaucoup de personnes qui jouent à Fortnite, on va pas se mentir. C'est plutôt des personnes qui sont, on va dire, qui sont un peu moins en troisième. Donc généralement, les téléphones, on les a à partir de 16 ans, hein, 15-16 ans. Donc déjà, je vais vous montrer vite fait par téléphone. Donc téléphone, il faudra télécharger une application, il faudra scanner le QR code et le mettre sur son téléphone. Bref, je trouve que c'est un peu compliqué. Il y a une méthode beaucoup plus simple qui va être par email. Si, je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite. Si vous voulez que je le fasse par téléphone, une autre vidéo, n'hésitez pas à mettre oui. Si vous en battez les couilles, dites non. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est par email. Donc vous allez cliquer juste ici. Et donc là, bon, vous voyez mon email, c'est l'email de avec quoi je me connecte. En fait, ça va vous envoyer un email sur votre... Attends, je me connecte. Ça va envoyer un email. Hop là. Ça va oui, tout simplement un email à votre compte Epic Games. Donc avec le compte, vous êtes connecté juste là. Ah merde, c'est vrai. Putain, j'ai débranché mon clavier. Hop là, Gmail. Donc voilà, donc là, vous voyez, c'est mon adresse. De toute façon, je vais la flouter, les gars. Je peux vous dire, voilà. Vous n'allez pas la voir. Hein. Hop là, je me mets sur mon email. Donc là, en fait, il faudra rentrer un petit code de sécurité. Normalement, ça sera bon. Alors, entrez le code de sécurité. Pour activer l'authentification par email, un code de sécurité vous a été envoyé à votre adresse email. Hein. Entrez le code de sécurité ci-dessous pour continuer. Donc là, on va se rendre sur notre... Alors, tac, on va se rendre sur notre truc. Les gars, ça sera flouté, bien évidemment. Je suis vraiment désolé. C'est des informations un petit peu personnelles, voilà. Pas forcément envie d'exposer ma vie à tout le monde. En tout cas, donc je vous conseille vraiment cette méthode parce qu'un email, c'est franchement, les gars. Déjà, si vous jouez à Fortnite, vous avez un email, donc ce sera encore plus simple. Alors qu'un téléphone, les gars, faut télécharger une application sur le téléphone. Mais si vous voulez, je vous explique. Ah, je peux m'en servir. Donc voilà, les petits potes. Alors, ok. Donc, les gars, on se retrouve voilà sur le. Putain, mais comment ça s'appelle déjà? La boîte mail, excusez-moi. Donc, Epic Game, votre code de connexion à deux facteurs. Donc là, bref, je vais le recevoir. Et donc, bref, Cocteau, je m'en bats la rage. Vous copiez le code, CTRL-C. Hop là, vous CTRL-V juste ici, les petits potes. Vous faites continuer. Authentification, email activé. La prochaine fois que vous connectez à Epic Game, vous devez rentrer le code de connexion qui vous sera envoyé à l'adresse mail. Donc voilà, normalement, ça devrait être bon. Après, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez le désactiver, les gars. Bien sûr, vous pouvez le désactiver, voilà. Donc maintenant, bah, on va dire, putain, c'est tout. Attends. Et attends, hop là, donc les petits potes, voilà, coucou. Bref, les petits potes, vous lancez Fortnite juste après, et normalement, ça devrait être bon. On se retrouve juste après, une fois que Fortnite est lancé. Les petits potes, dans quelques secondes, nous allons voir le nouveau skin, c'est parti. Battle Royale, allez. Chargement, protégez votre compte Epic Game, voilà, deux facteurs sur Fortnite.com. Vous voyez, c'est écrit juste en dessous, là. Protégez votre compte Epic Game en activant l'authentification à deux facteurs sur Fortnite.com. Alors, allez. Bouh! Hop là les petits potes, la nouvelle danse, merci d'avoir renforcé la sécurité de votre compte. Petite danse. Et franchement les gars, elle est pas mal. Et c'est hyper simple à faire. Super danse. Ah. En vrai, non, en vrai les gars, elle est belle. Hein. Ah, j'aime. Et franchement, j'aime bien. Franchement, c'est une danse qui est simple à voir. Et franchement, elle est en épique. Oh les gars, elle est en épique. Ah non, merde, ça c'est mes skins les gars. Ah les gars, ceux qui ont cette danse là, c'est ceux qui jouent depuis longtemps les gars. Ça c'est pas les Kevin, ceux qui ont ce planner là les gars, ceux qui ont ce planner là. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire j'ai ce planner là? Non, celui-là c'était la saison 2 si je dis pas de conneries. Mais celui-là les gars, le Mako les gars, ça c'est ceux qui jouent depuis super longtemps. Je crois, enfin les gars, moi je joue depuis le début. Donc bref, la danse, on va la remplacer par celle-ci. Elle est où? Oh les gars, Ah là, wow, mais c'est carrément, c'est vraiment une épique. Fais voir les gars. On va essayer de faire une petite danse dessus.
Je sais pas du tout si on me voit. Non, mais je veux la dent. Ah, bref, je sais pas danser. Bref, les petits potes, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. À me dire en commentaire si ça a pas marché. Si ça a marché, j'essaierai de vous guider, tout ça, tout ça. Si y en a qui veulent savoir par téléphone, peut-être ce sera plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, bismillah, c'est Cocteau.